Good morgen, allez, Iden, les sucres aujourd'hui, le Nishmat, Richard, Ben Fortune, Mazal, Claude, Israq, Ben Fortune, Mazal, et Maurice, Moshe, Ben Machlouf, Ve Sultana, et Eviatar, Amram, Ben Khedva. Si vous souhaitez aussi de nos prochaines tunes, Mishnah, comptez de 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Souka, Perekhe, Mishnah, Bet. Bemotsaï, Yom Tov, Arishon, Shel Chag, Yardou, Le Ezrat, Nashim, Umetaknin, Sham, Tikun, Gadol, Umenorod, Shel Zahav, Ayusham, Varbas, Falim, Shel Zahav, Verachen, Verba Sulamot le Kolechad Vechad, Verba Yaladim et Pirche Kona Bidem Kadim Shel Shemen Shalmia Vesim Log, Shehen Matilin Echol Sefel Vasefel. On est en train de, dans tout ce chapitre, on va décrire la Simchat Bet Hashoeva. À Sukkot, il y avait une mitzvah particulière du Nisuch HaMaim, de faire l'oblation d'eau le matin après le Korban. Maintenant, avant d'aller puiser l'eau, alors, c'est un moment de grande simcha que toute la nuit ils chantaient et ils dansaient. D'où le minhag des chassidim, entre parenthèses, de faire la fête pendant très tard et même toute la nuit. Simchat Bet Hashoeva, Zecher Simchat Bet Hashoeva. Si vous connaissez des chassidout à Jérusalem, à Bnei Brak, c'est pendant des heures de danse et de danse et de simcha très grande à Sukkot. Ça vient de. C'est un reste, c'est les minhagim de l'époque. Donc, Simchat Bet Hashoeva. Et. Donc. En vue d'aller puiser l'eau au petit matin. On envoyait ensuite les envoyés, mais d'abord, pendant toute la nuit, on dansait, on se réjouissait devant Hachem, après les Yamim Noraim, de Rosh Hashanah Yom Kippour. Et puis, et donc maintenant, la Mishnah va nous détailler longuement, en détail, comment se présentait la mitzvah. Avec tout d'abord l'organisation de la Hazara, Bemotsai Yom Tov Arishon Shel Chag, à la fin du premier Yom Tov de Sukkot. C'est-à-dire le premier jour de Sukkot, à la sortie de la fête, Yardou le Ezrat Nashim, il descendait à la Ezrat Nashim, c'est-à-dire pas dans la Ezrat Israël où on apportait les korbanot, mais dans la première, quand on entre au Beit HaMikdash, en fait, il y avait deux grandes parties. On rentrait dans un premier endroit fermé, c'était la Ezrat Nashim, puis après on passait les chars, le Shaar Nicanor, on entrait enfin dans la Hazara, où il y avait là-bas le Mizbeach, un peu plus loin, et après le Kodesh HaKodeshim. Donc là on est dans la Ezrat Nashim, et là-bas, on met taknin sham tikkun gadol. Et là-bas, on je ne sais pas comment traduire exactement. On instaurait une grande réparation, quelque chose de très utile. En fait, qu'est-ce qu'on faisait? La Gemara, elle explique que pour garder la gdoucha des fêtes, alors on veillait particulièrement au mélange des hommes et des femmes. On laissait les hommes en haut, en bas, et les femmes en haut, on leur construisait des mirpeset, des balcons, les femmes montaient là-haut et les hommes en bas, comme ça, il n'y avait pas de risque de caloute roche. La Gemara explique que ça a été instauré au fur et à mesure. Au début, on laissait les hommes à l'intérieur, les femmes à l'extérieur, mais il y avait quand même toujours une partie où ça communiquait un petit peu trop entre les deux, ça manquait à la gdoucha de la fête de l'ambiance. Donc du coup, ils ont fait le contraire, ça ne marchait toujours pas, jusqu'à qu'ils ont instauré, donc, de construire ces petits balcons. Où les femmes montaient là-haut et regardaient la simcha d'en haut. Ok? Ou menorot shel zahav ayusham. Et il y avait là-bas des lampes à huile, des menorot, qui étaient en or. Varbas falim shel zahav berachen. Il y avait 4 seaux en or qui étaient à leur tête. Donc il y avait en fait des grands piliers avec là-bas en haut, des seaux là-bas où il y avait des ustensiles, des récipients pour recevoir l'huile. Et qu'est-ce qu'on faisait? C'était pour allumer la lumière en fait, c'était pour éclairer. Verba sous la motte et kolachad vechad. Il y avait 4 grandes échelles qui montaient pour chacune. C'est pas précisé ici la hauteur. Dans la grande, c'est précisé, je crois que c'était 50 amas, 25 mètres de haut si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 50 amas, c'est un peu de d'Israël. Donc il y avait 50 amas, donc il y avait 50 amas, ça fait 25 mètres. Là-bas, elles étaient les 4 lampes aux 4 coins. Et Verba, Yeladim, Mipirche, Kuna, les 4 enfants, c'est-à-dire 4 jeunes hommes, Mipirche, Kuna, des adolescents, des Kohanim qui travaillaient au Beit HaMikdash, Ubidem, Kadim, Shel Shemen. Et dans leurs mains, ils avaient des cruches, ou plutôt des petits tonneaux d'huile, Shel Mea, Veistrim, Log, de 120 log, au total, c'est-à-dire. Il y en avait 4, donc ça faisait 30 logs pour chacune. On a déjà dit, un log, c'est l'équivalent d'à peu près d'une canette de coca. Donc
3 logs, ça fait 1 litre. Donc 40 litres, non 30 litres en fait, par ça faisait 10 litres en fait par veilleuse, quoi, enfin, par torche. 10 litres d'huile sur chacune, il fait le monter et le verser depuis là-haut. Shehen metilin et kol sefel zevesefel, et qu'il versait dans chaque seau là-bas pour avoir la lumière. Il y a le Tosafot Yom Tov qui rapporte ici une allusion au 120, on insistait sur le compte des 120 mesures d'huile en allusion à Moshe Rabbeinu qui a vécu pendant 120 ans, histoire de dire que c'est par le mérite de sa lumière, de sa Torah qui nous a donné, qu'aujourd'hui on se réjouit devant Hachem. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov V'Salam.